Dépêche-toi, on a du travail. Allez. Tu lisais encore un de ces magazines? Non. Quoi? Je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire. Tu sais que ce n'est pas convenable. C'est toi la grande sœur, Emma. Tu es censée montrer l'exemple. Mais j'essaye. J'essaye. Bonjour. Mademoiselle, bonjour. Emma. Quoi? J'ai seulement dit bonjour, c'est tout. À un étranger. Maintenant, c'est uniquement à Jacob que tu dois dire bonjour. Oui. Et il répondrait: bonjour Emma, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je vais bien, je te remercie. Quel temps merveilleux nous avons là, tu ne trouves pas? Tu as de la chance qu'il ait des sentiments pour toi. Jacob est quelqu'un de bien. Eh bien, j'espère qu'un jour tu te trouveras quelqu'un comme lui, Abby. L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour, de l'amour au mariage. Il y a chez moi une obstination dont on ne peut pas facilement avoir raison. Chaque essai d'intimidation ne fait que raffermir mon courage. Emma, tu es là? Oui, papa. Il est tard. Ta mère va finir par se demander où tu es passée. Désolée, papa, j'ai pas vu l'heure. Je vais rentrer. Tu n'es plus une petite fille maintenant. Tu n'as pas besoin de te cacher ici pour lire ton livre. Tu le savais? Je connais bien ma fille. Tu ne m'as jamais rien dit. Et qu'est-ce que j'aurais dit? Que tu dois te comporter comme ta petite sœur? Depuis que vous êtes toute petite, j'ai compris que vous êtes différente. J'essaye de trouver ma place. J'essaye vraiment d'être comme tout le monde. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Il n'y a pas de honte à être différent. Être différent, c'est différent. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Nous avons la chance d'avoir une vie merveilleuse. Et bientôt, si Dieu le veut, la tienne le sera plus encore. Quand Jacob te demandera de devenir sa femme. Je ne sais pas si je vais épouser Jacob. S'il me le demandait.
Dis-moi ce que je dois faire. Ta cousine Lydia Ann nous a écrit une lettre. Comment va-t-elle? Elle demande que quelqu'un vienne à Charm pour l'aider à la ferme. C'est la haute saison touristique. Tu lui rendrais vraiment un très grand service si tu voyageais jusqu'en Ohio pour travailler à ses côtés. Et quitter Shipshawana? Je connais ce regard comme si tu étais sur le point d'éclater. Toujours à t'interroger. Toujours à douter. Ce n'est pas la vie que je souhaite pour toi. Mais ça me paraît tellement loin de toi et de maman et d'Abby. Y trouveras-tu là-bas des réponses? Je ne sais pas, mais ce voyage pourra peut-être t'aider à prendre une décision. Une décision importante. Nous prierons pour ton retour. Merci, papa. N'oublie pas Jacob Mueller. Oui. Bonjour, Jacob. Bonjour, Emma. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Jacob. Et toi? Je vais bien aussi. Je te remercie. Quel temps merveilleux nous avons là, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Merveilleux, en effet. Au revoir, Jacob. Il faut qu'on parle. Je ne comprends pas. Des doutes? À propos de quoi? De tout. À mon sujet? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je pensais que ça passerait avec le temps. Mais ce n'est pas le cas et j'ai l'impression que ça ne le sera jamais à moins que je fasse quelque chose. Donc tu t'en vas? Quelques semaines, c'est tout. Pour aider ma cousine à Charm et avoir du temps pour réfléchir. J'aimerais moi aussi te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai décidé de rejoindre l'église. Jacob, je suis tellement heureuse pour toi. Et quand ce sera fait, je serai prêt à prendre une femme. Et elle aussi devra être membre de l'église. Oui. Tu sais ce que je ressens pour toi, Emma. On pourrait avoir une belle vie ici. Y construire une maison. Élever une famille. Jacob, j'ai confiance en toi, Emma. Tu es une femme intelligente. Tu prendras la bonne décision. Fais un agréable voyage. Thank you.
Emma? Emma Miller, la cousine de Liliane? Oui, c'est bien moi. Enchantée. Moi, c'est Noah Weaver. Elle m'a envoyé te chercher. T'as fait bon voyage? Eh bien oui, ça a été. Merci. Bien. Je vais les prendre et... Je te conduis à la ferme. Merci. C'est par là. Première visite à Charme? Je suis venue une fois avec mes parents, mais c'était il y a longtemps. Ça n'a sans doute pas beaucoup changé, à l'exception des touristes. On dirait qu'il y en a plus chaque année. C'est pour ça que je suis là, pour aider ma cousine pendant la haute saison. C'est très généreux. Tu sais, si tu le souhaites, je te ferai faire un tour de la ville. Comme ça, tu connaîtras le terrain. Eh bien, merci, mais... J'aime découvrir par moi-même. C'est comme tu veux. Donc tu es un ami de Liliane? Oui, enfin, par son mari. C'était mon cousin. C'était plus un frère, en réalité. Ces dernières années n'ont pas dû être faciles. Oui, en effet. Le plus dur, c'était pour Lydia et Marie. Elles ont une des plus grandes fermes du coin. Dès que j'ai du temps de libre, je viens les aider. Je trouve ça très généreux. C'est bon, je l'ai. Merci, Noah. C'est gentil, je... Non, je m'en occupe. Noah! 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 Viens là. Comment ça va? Bonjour, tu dois être Marie. Moi, c'est Emma. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Je vais l'appeler Molly. C'est un joli nom. Tu viens de te faire une amie pour la vie. Bienvenue, Emma. C'est si bon de te voir. Oh, toi aussi. Oh, et j'ai aussi quelque chose pour toi. Je le fais moi-même. C'est du fromage de chèvre. Très original. Je suis impressionnée. J'ai préparé le dîner. Tu dois avoir faim après ce voyage. Rentrons. Et toi aussi, Noah. Reste donc dîner avec nous. C'est très gentil. Merci. On peut être orgueilleux sans être vaniteux. L'orgueil se rapporte plus à l'opinion que nous avons de nous-mêmes. La vanité à celle que nous voudrions que les autres aient de nous. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Il fait presque nuit. Tu vas t'abîmer les yeux. Oh. Eh bien, je vais bien. Merci. Orgueil et préjugés. Elisabeth et Monsieur Darcy. Pour ma part, je préfère son premier roman, Raison et Sentiment. Tu l'as lu? Bien, non. Je ne l'ai pas lu. Le contraste saisissant entre Léanor et sa sœur cadette. La raison et la retenue contre la passion et la spontanéité, c'est assez fascinant. Il y a un exemplaire à la bibliothèque, là-bas en ville. Je pourrais te montrer si tu veux. Je pense pouvoir trouver toute seule, mais merci. D'accord. Eh bien, bonne soirée, Emma. Des mois que je cherche à lire. Vous devrez le rendre dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Merci.
chaussures. Désolée. Vous allez bien, ça va? Ouais. Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire sursauter. Non, c'est moi, je suis désolée. Tenez votre photo, enfin votre téléphone. Merci. C'est une jolie photo. C'est votre petite amie. Le jour où il m'a demandé en mariage. Oh, mes félicitations. Ah, non, non. J'ai tout annulé, c'est terminé, enfin, sauf pour lui. Oh, mais il dit qu'il vous aime toujours. Ouais. Que ce soit au lycée ou à la fac, nos parents, tous nos amis, tout le monde disait qu'on formait le couple parfait. Je me demande si c'est pas ça qui l'a poussé à faire sa demande, parce qu'il pensait qu'il devait le faire. Excusez-moi, on se connaît pas, et je suis là à vous raconter ma vie. Oh, non, 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 ça va, c'est rien, je comprends. C'est difficile quand les gens pensent savoir ce qui est mieux pour vous. Ouais, c'est dingue, hein. Je m'appelle Emma Miller. Kelly Bennett. Enchantée de vous rencontrer, Kelly. Moi aussi. Reconnaître qu'un événement auquel elle avait aspiré avec tant d'ardeur ne lui apportait pas toute la satisfaction qu'elle en attendait. Faut remettre de l'autre côté de la rue. Oui, oui, pour nous faire rester. L'orgueil est, je crois, un sentiment très répandu. La nature nous y porte, et bien peu parmi nous échappent à cette complaisance que l'on nourrit pour soi-même à cause de telle ou telle qualité souvent imaginaire. Réserve ne peut-elle parfois devenir un désavantage? Si une jeune fille cache avec tant de soin sa préférence à celui qui en est l'objet, elle risque de perdre l'occasion de le fixer. Je ne puis réprimer mes sentiments. Comment se sont-elles échappées? Allez, on rentre! On y va! Viens là, attends! Non, non, par ici! Allez! Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours pareil avec ces chaînes! Allez! Que ça va? Oui, c'est pas la première fois que je me bats contre des chèvres.
En tout cas, merci pour le coup de main. Je t'en prie. Tu sais, Lydiane m'a fait goûter ce chèvre que tu fabriques avec le lait de ces petites fugueuses. Il est vraiment bon. Oh, eh bien, merci. Je n'en avais jamais mangé d'aussi savoureux. Elle dit que c'est parce que tu utilises un ingrédient secret. Non, c'est pas vraiment un secret, je ne l'ai juste dit à personne. Tu sais, ton fromage, tu devrais l'inscrire aux enchères au festival d'automne. Oui, j'ai vu des affiches en ville. L'année dernière, un seul fromage s'est vendu pour une centaine de dollars. Ah oui? C'est beaucoup d'argent. C'est si bon que je ne peux pas m'empêcher de me demander si cet ingrédient secret ne manque pas à quelqu'un à Shipshawana. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, ça me manquerait. Eh bien, même si quelqu'un m'attendait chez moi, si c'est bien ce que tu veux savoir, ça ne changerait rien parce que je fais ce que je veux. Si tu le dis. Eh bien, maintenant tu sais. Et qu'est-ce que tu veux alors? Comment ça? Tu viens de dire que tu faisais ce que tu voulais, alors qu'est-ce que tu veux? Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu vas? À quoi tu penses? À autre chose. Quelque chose de différent. Alors c'est ça qui t'a amené à Charme, à la ferme de ta cousine? Oui. Mais... Mais ce n'est pas assez différent. Je veux voir l'océan. Je pense qu'il est important de voir les deux mondes. Celui des étrangers et celui des Amish. Pour se faire une idée. Et c'est ce que tu as fait? Tu as vu les deux? Oui. Et c'est ici qu'est ma place. Tu vas? Oh, à la ferme de ma cousine. C'est à 2 ou 3 kilomètres sur la route. Non, à pied? Viens, monte, je te dépose. Non, je ne veux pas te déranger. Chérie, ça ne me dérange pas du tout. À moins que t'aies pas le droit. T'as le droit de monter en voiture? Oui. Ça doit être tellement agréable. De prendre sa voiture quand on en a envie et partir où on veut. C'est sûr, oui. Tu as déjà vu l'océan? Oui, ma famille a une maison sur la côte, j'y vais tous les étés. J'ai lu dans un livre une fois que le bruit des vagues et l'odeur de l'eau salée, il n'y avait rien de comparable. Si je pouvais conduire, c'est là que j'irais. Mais tu peux, tu devrais le faire d'ailleurs. Quoi? Ouais, si t'achetais un billet sur internet pour Miami ce soir, tu pourrais être demain sur la plage à siroter un Mai Tai. Siroter un Mai quoi? Un Mai Tai... Laisse tomber. Oui. Oh, bon sang, moi dans un avion pour Miami. De Shipshawana, je ne suis jamais allée aussi loin qu'ici. Oh, alors tu vis pas à Charme? Non. Non, je ne suis là que pour l'automne pour aider ma cousine sur son stand de produits. Moi aussi, je suis là pour les mêmes raisons. Je file un coup de main à la bibliothèque et à ma tante qui possède une maison d'hôtes. On a fait beaucoup de chemin pour se rencontrer. On a peut-être plus de points communs qu'on ne croit. Ouais. C'est bon avec... Waouh, regardez-moi ça. Quelqu'un a vraiment la main verte ici. Le plus petit stand ne manquera pas de chaland s'il est vertueux et bien arrangé. T'as dit quoi? C'est un vieux proverbe amiche qui veut dire « tire profit du poulailler ».
D'accord. Je te présente Kelly Bennett. Elle m'a déposée en voiture. Et Kelly, voici ma cousine, Lydia Anne Blanc. Vous êtes la nièce d'Irène Abbott ? Ouais. Je livre mes fromages à son auberge. Ses fromages, en réalité. Une minute, c'est toi qui les fais ? Merci. Ils sont vraiment excellents. Les clients me supplient de leur dire où l'acheter. Oh, eh bien, maintenant tu sais. Oh, pardon, j'ai des clients. Ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi. Viens, je vais te montrer. Ah, super. La reine des fromages, hein. C'est incroyable. Merci. Wow. Désormais, elle ne devrait plus s'échapper. Ah, c'est ce que tu as dit la dernière fois. Hey. Oh, Noah, je te présente Kelly Bennett. Kelly, voici Noah Weaver. Bonjour. Bonjour, enchantée. Kelly travaille à la bibliothèque. Ah. Oui, et Emma dévore le rayon des romans à l'eau de rose. Mais ça n'intéresse personne. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi ? Mm-hmm. Ferme les yeux. Quoi ? Allez. Ah. Arrête, c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, c'est juste un cadeau. Noah. Emma, allez. D'accord, très bien. Attends, tourne-toi. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça ressemble ? À un grondement ? À quelque chose de vivant ? C'est vivant, oui. Oui, mais ce n'est pas un animal. Non. D'accord, alors qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi. C'est l'océan. Waouh ! Alors, c'est quoi l'histoire ? Comment ça ? Noah ? Marie, petite amie ? Non, le mari de Lydia est mort l'année dernière. Oh. C'était le cousin de Noah et ils étaient très proches. Il vient l'aider à la ferme dès qu'il peut. Non, c'est un homme bon. Ça, il doit être bon à pas mal de choses. Oh, Kelly ! Non, je t'en prie, t'y as jamais pensé. Oh, mon Dieu ! Non, je ne pourrais jamais penser à lui de cette façon. Moi, je suis presque sûre qu'il pense à toi de cette façon. Oh non, ne sois pas ridicule. Comme si un homme qui te colle un coquillage à l'oreille n'avait rien de ridicule. C'est une longue histoire, c'est difficile à expliquer. Oui, bien. Si je rencontrais un mec comme ça, ma vie serait peut-être différente. Il y a un verset de la Bible qui dit « Sortez du groupe et séparez-vous, dit le Seigneur ». De notre point de vue, le meilleur moyen d'éviter la tentation, c'est de nous isoler du reste de la société. Vous isoler de la tentation ? De tous ceux qui ne sont pas Amish. Ah, donc ils sont pas forcément ravis que tu traînes avec moi ? Depuis que je suis petite, j'ai l'impression d'être différente. D'être une étrangère. J'aime profondément ma maison et ma famille, mais les vêtements que je porte ne sont pas ceux qui m'attirent. Je voudrais juste plus de couleurs dans ma vie. Ça me paraît pas trop demander. Autant demander le monde. Et maintenant, je dois prendre une décision. Ah oui ? Tu dois décider quoi ? Je ne suis pas seulement venue à Charme pour aider ma cousine. Je suis là parce que le moment est venu pour moi de choisir la voie que je veux suivre. J'ai pris pas mal de mauvais chemins dans ma vie. C'est comme ça qu'on grandit. Non. Ça ne marche pas comme ça chez nous. C'est très strict. On nous donne le choix. Je peux choisir entre rejoindre l'église, me marier à un Amish et suivre leurs lois pour le reste de ma vie. Ou je peux aller découvrir le monde et essayer d'y trouver mon chemin. Mais si je le fais, ça pourrait déterminer mon avenir. C'est plus dur de revenir après.
Emma, tu peux venir? J'ai besoin de toi. Comment s'est passée ta première semaine à la bibliothèque? Très bien. Ouais. Tout le monde est si gentil. J'ai rencontré une amiche là-bas. Une fille adorable. Elle est à fond dans Jane Austen. C'est pas trop le genre des amiches, ça? J'ai l'impression qu'elle se pose pas mal de questions. Ceci dit, c'est très agréable pour une fois de pouvoir discuter avec quelqu'un qui passe pas son temps à vérifier son portable toutes les 10 secondes. Ah, tu vois? Toi qui t'inquiétais tellement de quitter la ville, sans compter tes amis. Ouais. Je commence vraiment à me plaire ici. Que veux-tu, ainsi va la vie. Prends une nouvelle direction et tu te feras de nouveaux amis. À condition d'être ouverte. Ce serait plus facile si Nick ne me harcelait pas. Il veut pas me lâcher. Arrête de t'inquiéter pour lui. La meilleure chose que tu aies faite a été de virer ce crétin de ta vie. Je sais que c'est dur pour l'instant. Mais bientôt, ça ira mieux. Je te le promets. J'espère aussi. Il y a quelque chose de spécial pour tout le monde ici. Tu finiras par le trouver. L'étrangère, tu l'as connue comment? Oh, elle avait perdu son téléphone et je l'ai trouvé et on a commencé à parler. Je me demande bien de quoi vous pouvez parler. T'as prévu de la revoir? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Écoute, Kelly est vraiment gentille. Tu connais sa tante? Pour lui vendre mes fromages. Tu ne dois pas oublier qui tu es. C'est comme ça que ça commence. Que commence quoi? J'en sais beaucoup plus que tu crois, Emma. Mélanger les deux mondes, j'ai déjà vu ce que ça donnait. Et avec quelqu'un qui m'est très proche. Quoi? Qui? Qui? Ce n'est pas à moi de le révéler. Mais ce que je peux dire, c'est que tu ne dois pas faire la même erreur que moi. Quelle erreur? De quoi tu parles? J'ai mis tous tes fromages en rayon aujourd'hui. Ils sont partis en 1 heure. Tu dois en faire plus pour demain. Non, je crois que je devrais participer à la vente aux enchères. Noah est un homme sage. Ils partiront à un bon prix. De l'argent qui complétera ta dot une fois rentré chez toi. Bien sûr. L'amour n'aurait pu m'aveugler davantage. Mais c'est la vanité, non l'amour, qui m'a égarée. Bien silencieux ce matin. Je peux chanter si tu veux. C'est quoi ton hymne préféré? Ça va aller. Je plaisantais. Tu sais, quand je travaillais dans les champs, je n'arrêtais pas de me demander, en voyant passer tous ces trains, où les gens pouvaient bien aller. Ce que je manquais. Alors, je suis parti chercher mes propres réponses. Voir de nouveaux endroits. Mais finalement, tu es rentré.
On passe notre vie à chercher quelque chose qu'on imagine forcément trouver ailleurs, une réponse à tous nos doutes, à toutes nos craintes. Mais en fin de compte, la réponse que je cherchais était juste ici. Et ça, c'était pour toi. Je ne sais pas encore ce qui est bien pour moi. Écoute, si je te confie tout ça, Emma, c'est uniquement pour t'épargner tout ce temps que j'ai perdu, toutes ces voies sans issue. Je ne veux pas être épargnée, Noah. Je veux voir le monde par moi-même. Faire mes propres choix. Eh bien, sincèrement, j'espère que tu trouveras les réponses à ton bonheur. Vous prenez à droite en sortant et vous suivez les panneaux, c'est facile. Parfait, ça devrait aller. Amusez-vous bien. Oui, merci. Merci. Allez, les enfants. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Madame Abbott. Comment allez-vous? Très bien, je te remercie, Noah. Et tu dois être Emma. Kelly m'a raconté que vous aviez sympathisé à la bibliothèque. Oh, oui. J'ai déjà l'impression de te connaître. Vraiment? Eh bien, entre tout ce que Kelly m'a raconté et ce merveilleux chèvre que tu fabriques... Oh, merci. J'espère que tu en auras porté d'autres. Bien sûr. Merveilleux. Et est-ce que Kelly est là? Elle est là-bas, derrière. Merci. Je suis sûre qu'elle sera contente de te voir. Écoute... Je suis désolé pour la visite surprise et le harcèlement au téléphone, mais il fallait que je te parle. Nick, je veux que tu t'en ailles vite. Laisse-moi encore une chance. Non. T'en as eu des tas, c'est terminé, d'accord? T'es la seule qui compte pour moi. La seule que j'aime. On sait tous les deux que c'est pas vrai. Cette fois, c'est différent, je suis différent. Je te faisais confiance. Tu m'as humilié, tout le monde est au courant. Je veux pas être avec toi. Je suis venue ici pour plus jamais te voir. Je t'en prie, Kelly. Cet endroit est au milieu de nulle part. Y a rien ici pour toi. C'est là que tu fais erreur. J'aime vraiment être ici. J'aime mes amis, les gens qui m'entourent. J'aime comment je me sens. Et t'en fais pas partie. Viens ici. Nick, arrête. Non. J'ai fait toute cette route pour te voir, tu pourrais au moins m'écouter. Lâche mon bras. Pourquoi tu compliques les choses, Kelly? Quoi, voilà. Vous voyez pas qu'on est occupé là? Je m'appelle Emma, je suis une amie de Kelly. Salut, moi c'est Nick, je m'en fous. Arrête, stop. On en a pas fini. Mon bras, arrêtez, vous lui faites mal. Restez en dehors de ça. Lâche-moi, Nick. Est-ce que tout va bien, Emma? Génial, un de plus. Lâchez-la. Sinon quoi? Comme vous voulez. J'ai pris ma décision. J'ai décidé de te laisser jouer avec tes nouveaux amis. Est-ce que ça va? Ouais. Pardon, je suis désolée. Venez, j'ai une idée. Allez. Excusez-moi, est-ce que cette route mène à Charme? Oh, oui, continuez encore sur 3 km. D'accord, merci. Au fait, je crois que j'ai mangé tous vos échantillons de fromage. Ça ne fait rien. Et vous comptez le mettre aux enchères demain? Oui. Enfin, oui, sûrement. C'est vous qui l'avez fait? En effet. Eh bien, il est délicieux. Tout comme son auteur, d'ailleurs.
Vous ne devriez pas dire de telles choses. Non. Non. Même si c'est vrai. Vous ne me connaissez même pas. Quel est votre nom? Emma Miller. Emma Miller. Andy Nevins. Je suis le rédacteur de Vin et Fromage, un des plus gros blogs culinaires sur Internet. Je n'ai pas souvent l'occasion de me servir d'un ordinateur. Oui, bien sûr. Je suis désolé. Eh bien, on n'a jamais consacré d'article sur les amis chez leur fromage. Vous auriez un peu de temps pour une interview? Une interview de moi? Oui, ça pourrait se faire avant le début des enchères, demain, disons, je sais pas, à 14h. Je ne sais pas, je... Emma, écoutez, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai mangé dans les meilleurs restaurants. Et je vais vous dire, ce serait criminel de ne pas faire connaître votre fromage. Vous n'êtes pas sérieux? Vous voulez parier? Vous êtes occupé. Voici mon numéro. Appelez-moi, je serai en ville, on peut... Vous n'avez pas le téléphone? Non. Très bien, oublions ça. Retrouvons-nous demain, avant l'enchère. C'est d'accord. Super. C'est un rendez-vous. Est-ce que ce sont tes fromages pour les enchères? Oui. J'essaye de ne pas trop y penser. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Quand tu as rencontré Lévi, tu as tout de suite su que c'était le bon? Ce que je savais, c'est qu'il était le premier que je voulais voir quand je voulais me confier. Et il s'intéressait toujours à ce que j'avais à dire. Il était mon meilleur ami. J'imagine combien ça a dû être difficile. Trouver l'amour et puis le perdre. Oui, c'est difficile. Très difficile. Mais j'ai été bénie d'avoir eu Lévi le temps que ça a duré. Toutes ces questions, c'est à cause de l'étrangère? Non, non, ce n'est pas elle. C'est moi. J'essaye. Je veux comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens. Dans ce cas, nous parlerons. Et nous prierons. Et avec l'aide de Dieu, tu trouveras la réponse. Mais que faire si sa réponse m'oblige à m'éloigner de tout ce que je connais? C'est que ce sera sa volonté. D'abord livrer les fromages pour les enchères. Je peux l'emmener. Merci, Noah. Tu viens avec nous? Oh, avec plaisir, merci. Très bien, alors, comment tu vas appeler ton verre? Lily. Et c'est parti. Sur la ligne 8, Jacques Jotrap tentera de rattraper son retard. Mais bon, vas-y. Julien peine à avancer. Tandis que Wally, le conquérant, devance tous ses adversaires d'une bonne longueur. Hé, allez. En deuxième position... Tu cherches quelqu'un? Non. Je faisais juste un tour d'horizon. Vas-y, Marie! De le devancer!
Au fait, merci pour le livre. Ah, oh, je t'en prie. J'espère que tu aimeras. En fait, ce que j'aime vraiment dans ce roman, Emma, c'est la simplicité. Bonjour. Oh, c'est vous, Indy. Vous êtes prête? Bien sûr. Oui, à plus tard. Je vous la ramène après. Lily ne montre aucun signe de ralentissement. Jack le Trac poursuit doucement. Allez, Marie, sa remontée. Ça, c'est la meilleure partie de mon travail. Trouver un endroit avec une histoire intéressante à raconter. Un festival d'automne au milieu de nulle part. Une magnifique Amish qui pourrait aisément être la prochaine star du net. Vous dites de ces choses? Et vous rougissez? Non. Mm-hmm. Non, je ne rougis pas. Non, non, pas du tout. Si. Non, mais c'est... Ce ne sont que des fromages. Non, c'est plus que ça. C'est unique. Vous le pensez vraiment? Je le sais. Je sais aussi que tous les restaurants de Manhattan feront la queue pour passer commande. Manhattan? Oh, je suppose que vous y êtes jamais allé. Non. Vous savez, l'énergie y est magique. C'est incroyable. C'est un peu bruyant, mais on s'y habitue. Et avec moi comme guide, je peux vous promettre que vous allez adorer. Ça a l'air tellement excitant. Votre attention, s'il vous plaît. Frank Miller et Noah Weaver sont attendus pour la prochaine épreuve. Merci. Il a bien dit Noah Weaver? Allons-y. C'est qui, ce Noah? Mesdames et messieurs, bienvenue au concours de bûcherons. Le participant qui aura coupé sa bûche en deux avec le moins de coups de hache repartira avec $200 en liquide. Vous ne l'aviez pas dit? Non, je ne savais pas, chérie. Que les concurrents se mettent en place. Toi? Le premier concurrent, s'il vous plaît. Maintenant, il faut y aller. Oh, les enchères, il faut que j'y aille. Non, attendez, et mon interview? Demain soir, près de la grande roue, à 20h? D'accord, oui. C'est un rendez-vous. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, bon boulot. J'ai 35 ans, c'est mieux, qui est mieux, 40, qui est 40, allez, 35 fois, 35 deux fois, 35 trois fois, adjugé à $35. Merci, Liliane. Vous pouvez maintenant aller récupérer votre règlement à la caisse principale. Merci. Et maintenant, si mes infos sont exactes, nous avons une nouvelle venue en ville et à notre vente aux enchères. Veuillez accueillir Emma Miller. Emma, qu'avez-vous apporté aujourd'hui? 450 grammes de chèvre au lait cru. La recette vient de ma ville natale, Shipshawana. Très bien, ça me paraît clair, les enchères peuvent commencer.
Et c'est parti pour 15 dollars, mesdames et messieurs. 15 dollars, qui dit 15 dollars? Est-ce que quelqu'un est intéressé? 15 dollars, 15 dollars pour madame. Qui dit 20, 20 dollars? Qui dit 20 dollars? 20 dollars pour un merveilleux chèvre, le Chipsawana. Allez, allez, mesdames et messieurs, qui dit 20? 20 une fois. Est-ce que quelqu'un va dire 20? 20 deux fois. Ah, qui dit 25 maintenant, mesdames et messieurs? On en est à 25 dollars. Est-ce que quelqu'un est intéressé à 25 dollars? 25 dollars pour monsieur, parfait. Est-ce que quelqu'un est intéressé à 30? On en est à 30. Oui, monsieur, pour 30 dollars. 30, on m'annonce 30 en face de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un intéressé pour 35 dollars pour ce merveilleux fromage? Il y a 450 grammes de chèvre. 35 pour le numéro 125. Parfait, maintenant nous continuons. 35 une fois, 35 deux fois, 35... 50. 50, qui dit 75? 75, est-ce que quelqu'un est intéressé pour 75? Mesdames et messieurs, 75 dollars pour ce merveilleux fromage. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Il est vraiment fantastique. Il vient de Chopfwana, c'est un fromage... Je monte à 75. 75, vous avez un sérieux concurrent, on dirait. Qui dit 100 maintenant? On en est à 100 dollars. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour 100 dollars? 100, merci. Qui dit 125 maintenant? On en est à 125 dollars pour un merveilleux fromage de chef, mesdames et messieurs. Il est fantastique, il est bon, il est goûteux. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour 125 dollars? 200 dollars. 200 dollars. Oh, il doit savoir quelque chose sur ces fromages que nous ignorons. Qui dit 225 dollars maintenant? On en est à 225 dollars pour ce merveilleux fromage. Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un est intéressé à 200... 500 dollars. 500! Qui dit 525 dollars? 525 dollars, mesdames et messieurs, pour un joli fromage de chèvre. On continue, 525 dollars. Je suis sûr que quelqu'un peut encore monter par-dessus ses enchères. Allez, je vous en prie, 525 dollars pour un fromage de chèvre. Attention, attention, dernier appel, 525 personnes. 500 une fois. 500 deux fois. 500 trois fois. Adjugé pour 500 dollars. C'est un nouveau record. Félicitations, monsieur. Emma, merci beaucoup. Vous pouvez passer en caisse et demander un reçu. Je ne pourrais pas être heureuse avec un homme dont le goût ne coïnciderait pas en tout point avec le mien. Il faut qu'il participe à tous mes sentiments. Il faut que les mêmes livres, la même musique nous ravissent tous les deux. À défaut de se marier, les jeunes filles aiment bien un petit chagrin d'amour de temps en temps. Bonjour. Bonjour. Merci. Marie ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a de la fièvre. Lydia Anne m'a demandé si je pouvais la surveiller. Très bien, alors. Je peux m'occuper des clients, si tu veux. Ou d'autres choses. Cet étranger, aux enchères. Il s'appelle Andy. Eh bien quoi? Tu ne sais absolument rien de lui. Toi non plus? J'en sais plus que tu crois. Et c'est censé être suffisant pour moi? Ce que les autres disent, ce qu'ils savent? Je les ai vus, ces gens là-bas, dans leur monde et... Crois-moi, ils sont différents. Peut-être que je le suis aussi. Donc, tu as Jacob, Noah et Andy. Ça fait beaucoup d'hommes dans ta vie.
Comment tu as su que tu étais amoureuse? Ah, tout ça, ça remonte à loin maintenant. Pour tout te dire, Nick et moi avons passé la plupart de notre temps ensemble sans nous aimer. J'étais juste trop occupée pour le voir. À quoi? À essayer de satisfaire tout le monde. À prétendre que tout était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Si c'est pas trop indiscret. Mon école proposait un trimestre à l'étranger. Je suis donc partie tout l'été à Londres. J'ai voyagé à travers toute l'Europe. Et quand je suis finalement rentrée, j'ai commencé à entendre des histoires de pas mal de monde au sujet de Nick. Quel genre d'histoire? Du genre qu'il me trompait quand j'étais pas là. Et c'était pas non plus la première fois. C'est pour ça que j'ai mis fin aux fiançailles. Quand je lui ai dit que je ne changerais pas d'avis, il s'est vraiment mis en colère. Ouais. Là, j'ai compris que je devais partir. M'éloigner de lui et de tout ce qui pouvait me le rappeler. Un endroit où je pourrais prendre un nouveau départ. Alors tu es venue à Charme? Oui, entre le travail chez ma tante, mon boulot à la bibliothèque, je m'en sors bien. J'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dois faire, à où je dois aller. À mon prochain chapitre. Je prierai pour que tu trouves le bonheur. Je sais pas si ça peut marcher pour moi. Ça fait si longtemps. Aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer. Tu les aimes? Oh, elles sont vraiment jolies. Ça a été le coup de foudre dès que je les ai vues. J'ai vu un jour dans un magazine de magnifiques sandales roses à talons hauts avec de petits diamants dessus. C'est pas très discret, non. Les orteils aussi étaient peints en rose et il y avait un anneau tout mignon sur l'un d'eux. Donc j'imagine que c'était pas un magazine Amish, hein? Qu'est-ce que tu lisais encore? Tu sais tout. D'accord, j'ai compris. Tu veux plus de couleurs dans ta vie? J'ai ce qu'il te faut. Quelles sont les chances de faire la même pointure? C'est un signe, il faut que tu les essayes. Ma famille n'approuverait pas. Eh ben, je le dirai à personne. Les vêtements doivent être simples. Pour ne pas attirer l'attention. Ce sont que des chaussures, pas une robe de bal. Allez, Emma. D'accord. Comment tu fais? Oh, c'est un secret de mode transmis par les femmes de génération en génération. Essaie de te détendre. Ça me fait vraiment des pieds différents. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Ça ne fait aucun doute. Ok. Oh, attends, je viens de penser à un super jean qui irait parfaitement avec ses chaussures. Oh, non, c'est pas drôle. Allez, essaie-le. C'est le meilleur moment pour commencer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Marie a attrapé la varicelle. Madame Beasley dit qu'on l'a diagnostiquée avant qu'elle ait des boutons, mais qu'elle va être contagieuse pendant au moins une semaine. J'ai appelé tes parents et ils ont dit que tu ne l'avais jamais eue. Ça peut être dangereux une fois adulte, Emma. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois rentrer chez toi. Quoi? Non, mais...
Je ne suis pas prête à rentrer. Pas encore. On ne peut pas prendre le risque que toi aussi tu tombes malade. Je peux aller voir si Irma Müller a une chambre si tu veux. Et si tu restais avec moi? À l'auberge? Vraiment? Impossible. Non. Pourquoi? Je n'y vois absolument rien de mal. Je n'y vois absolument rien de bien. Qu'est-ce que je dirais à tes parents? Dis-leur que tu as encore besoin de mon aide. Non, non, ça va trop loin. Laisse-la y aller. Mais Noah... C'est son choix. Viens. T'inquiète pas, on reviendra chercher tes affaires. Être différent, c'est différent. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Merveilleux de voyager, de mettre par écrit tout ce que vous avez vu. Tous ces lieux doivent être passionnants. Moyen, non. Ils ne le sont pas tous. Quoi? Non. Non, ne me dites pas ça. On en parle dans mes romans et ils sont incroyables et magnifiques et merveilleux. C'est vrai. Le monde est incroyable et magnifique et merveilleux. Et de temps en temps, vous tombez sur quelque chose qui vous coupe littéralement le souffle. Ah oui? Comme quoi? J'étais à Rome l'été dernier. Je me tenais devant la fontaine de Trevi, qui est certainement une des places les plus romantiques du monde. C'était une parfaite nuit d'été. Et j'étais seul. Alors j'ai pris une pièce. J'ai fait un vœu. Et je l'ai jeté dans la fontaine. Et quel était votre vœu? On n'est pas censé le dire si on veut qu'il se réalise. Oh, d'accord. Mais je suppose que j'ai plus à m'en faire. Pourquoi ça? Parce qu'il vient de se réaliser. Juste ici. À l'instant. Oh, arrêtez. Emma. Demandez-moi et je vous montrerai tous ces endroits que vous avez lus dans vos livres. À vous entendre, ça paraît si simple. Oui, ça l'est. Pas pour moi. On n'a qu'à passer à la solution de repli, alors. Comment ça? Voyons voir si on peut trouver de quoi voyager. Ici, à Charme. Quoi? Ah, parfait, venez. On va où? Bon appétit. Merci. Offert par la Grèce, berceau de la civilisation occidentale et patrie de la plus grande contribution gastronomique de l'histoire de... Peu importe. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un sandwich grec. Je vous préviens, ça va changer votre vie. Si vous le dites. J'essaye alors. Ouais. C'est délicieux. Vous voyez ce que vous manquez? Il y a tant de choses en ce monde que je ne connais pas. Il y a tellement d'endroits que je voudrais voir et tellement de choses à faire.
et j'aimerais toutes les faire. Je sais. Vous les ferez. Merci. Allez, finissez-moi ça. On a encore du travail. Oui. Et vous, vous ne mangez pas? Je sais. Alors, allez-y. Ce serait faire offense à la civilisation. Oui, je vais pourquoi avoir choisi la sauce blanche? C'est la meilleure. Oh, et d'ailleurs, vous en avez partout. Oui, aucun problème. Attends, je vais vous aider. Le type des enchères a dit qu'il y avait un ingrédient secret dans votre fromage. On peut savoir lequel? Eh bien, en fait, je rajoute du miel. Et c'est tout? Oui, mon voisin, Chip Showana, a des ruches. Et c'est habituellement chez lui que je me fournis, mais ici, je vais au marché. D'accord, donc c'est un miel bio, produit localement. Une vieille recette de famille transmise de mère en fille? Non, en réalité, la première fois c'était un accident, j'ai fait tomber le bout de miel. Oui, mais maintenant, c'est devenu une recette de famille, vous allez sans doute la transmettre, alors. Oh, eh bien, oui, mais ça laisse penser que ça vient de ma mère ou... Attendez, Emma, ce qu'on est en train de faire ici, c'est créer une légende. Quelque chose qui va attirer le lecteur, vous voyez? Mais c'est faux. Vous voulez qu'on lise votre histoire? Oui. Alors parfois, vous devez un peu transformer les détails. Ça va blesser qui, franchement? Le fait est que vous fabriquez un excellent fromage. Je suis bien au courant. J'ai payé cher pour le savoir. Super. Merci. Je vous en prie. Maintenant qu'on en a fini, je peux vous poser une question. Quoi, encore une? Ouais. Avant que je rentre à Manhattan, vous dîneriez avec moi. Dans un vrai restaurant. Vous voulez dîner avec moi? Ouais. On pourrait aller à cette auberge ou vous loger si vous préférez. Ou à moins, bien sûr, que vous soyez prise. Non, je... Je ne suis pas prise. Bien. C'est donc un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Emma, chérie, un appel pour toi. Oh, tiens. Merci. Allô? Emma? C'est Abby. Abby? C'est si bon d'entendre ta voix. Comment vas-tu? Et comment vont les parents? Tout le monde va bien. Emma, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Si, si, ça va. Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'espère seulement que tu le seras aussi pour moi. T'es heureuse pour elle? Bien sûr, oui, je... Jacob est un homme bon, et il sera un merveilleux époux pour Abby. Donc, pas de regrets. J'ai de l'affection pour Jacob, de celle qu'on a pour un frère, mais pas de celle qui existe entre un homme et une femme qui vont se marier. Et puis j'aurais dû le voir venir. Abby n'arrêtait pas de me dire combien j'avais de la chance de l'avoir dans ma vie. Est-ce que c'est mal de se sentir... si soulagée? De quoi? De pas t'être mariée avec le mauvais gars? Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire... pratiquement toute ma vie, je me suis efforcée de suivre les règles et de me comporter comme on l'attendait. Et maintenant, c'est comme si, pour la première fois, j'étais libre de faire mes propres choix. Donc tu veux être libre? C'est ça l'idée? Eh bien oui, j'aimerais savoir ce que ça fait. Très bien, fais-moi signe quand tu te lanceras. Eh bien, j'ai un rendez-vous ce soir. Non, pardon, quoi? Je sors ce soir, j'ai un rendez-vous. Quoi? Mais avec qui? Andy. Toi, tu vas sortir ce soir avec un étranger? Oui, il semblerait. Mais pourquoi j'étais pas au courant, hein? On doit y aller. Il faut qu'on parte. Genre, tout de suite. Eh bien, il faut que j'y aille, je reviens demain. Allons-y, au revoir.
Salut. Salut. Vous devez être Andy? Ouais. Suivez-moi. Par ici. Et voilà. Elle va pas tarder. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous êtes magnifique. Merci. Venez. Je vous suis. Ces roses sont ravissantes. Cette jolie robe. Oh, de ma valise, tout simplement. Ah oui. Bonsoir. Alors, vous êtes prêt à commander? Ça vous embête si je le fais pour vous? Non, je vous en prie. Nous allons prendre le saumon avec les pommes de terre et la salade de choux à la vinaigrette. Parfait. Et je vais vous prendre un verre de Bourgogne. Très bien. Oh, pardon, vous voulez du vin? Non, merci, c'est gentil, je ne bois pas. Je te ramène de l'eau plate. C'est une première. Un morceau de tarte à portée de main encore intact après 5 secondes. Tu as mal au ventre? J'ai mal partout. Quand j'ai perdu Lévi, la seule chose qui m'a aidé à surmonter la douleur, c'était d'entendre tous les jours sa voix m'intimement d'être heureuse. Le véritable amour apporte le bonheur éternel. Le véritable amour est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, ça fait mal parfois. Mais si c'est vraiment ce que désire ton cœur, tu dois te battre pour lui. Pour être franc, je n'ai pas vraiment le temps de lire. Vous devriez, parce qu'il est vraiment bien. Ce livre, Orgueil et préjugés, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy. Et au début, ils ne s'aiment pas, mais... Ah, attendez, je vois ce que c'est. Ils ont fait un film et il est sorti il y a un moment avec... Oh, c'est quoi son nom déjà? Elle jouait dans ce truc à l'eau de rose. Désolée, je ne vais pas au cinéma. Vous manquez pas grand-chose. Franchement, c'est devenu n'importe quoi de nos jours. Je devrais devenir amiche, au moins je serai préservée. Voilà pour vous. Oh, merci. Je vous en prie. Vous êtes sûr de ne pas vouloir goûter? Il est délicieux. Non, je vous remercie. Ça va aller. Et si vous me parliez un peu de votre famille, de vos parents? Ils sont partis en Californie. Je ne les ai pas vus depuis... 5 ans maintenant. Depuis 5 ans? Ils doivent terriblement vous manquer. Vous ne connaissez pas ma famille. Donc, vous avez choisi de ne pas voir vos parents? Vous pourriez, mais vous ne le faites pas. Je ne m'entends pas trop avec mon père depuis que je suis enfant. Mais c'est toujours votre père. Vous avez bien du respect pour lui. La seule chose que je respecte chez lui, c'est qu'il a plus d'argent que Dieu. Dieu n'a pas d'argent? Je veux dire qu'il est riche, Emma. Vraiment riche. Et avant qu'on ne commence à se taper dessus, il avait placé une grosse somme d'argent pour moi dans un fonds que j'ai touché l'année dernière. Mais je vous croyais écrivain. Il y avait une condition. Que j'ai un semblant de travail. Mon vieux est propriétaire de la compagnie qui est propriétaire de la société qui détient le magazine. Donc. Donc vous respectez l'argent? Je respecte le pouvoir de l'argent. Parce que si vous en avez suffisamment, vous n'avez pas à vous soucier de ce que les gens ou votre famille pensent de vous. Et particulièrement votre famille.
Avoir une famille, c'est une grande bénédiction. Vous l'avez dit, nous venons de mondes différents, pas vrai? Oui, en effet. Allez, pourquoi parler de tout ça? De toute façon, on va manquer le feu d'artifice. Manquer quoi? Oui, vous savez, la soirée de clôture du festival, le grand final. J'ai vu un gars qui m'a parlé d'un super point de vue d'où on peut tout voir. Venez. Je devrais peut-être prévenir Kelly, ou alors on a qu'à rester ici. Non, vous inquiétez pas, on sera vite de retour, allez. D'accord. Emma? Salut, Noah. Salut. Et Emma est là? C'est pas incroyable? C'est magnifique. Attendez. Sur la voiture? Ouais, c'est une location. Vous montez sur la voiture? Oui, exactement. Allez, venez. Oh mon Dieu. C'est tellement beau. Et toi, tu es encore plus belle. Elle vient juste de partir. Avec Andy. Mais je suis sûre qu'ils vont pas tarder. Merci, Kelly. Je lui dirai que t'es passé. Non, ne dis rien. Alors, tu aimes ? Tu es belle et tu veux me faire croire que c'est pas ce que tu voulais? Non! Jamais! Vraiment? Laisse-moi te dire un truc. Tu as dit que tu voulais voir le monde. Alors regarde-le bien. Parce que ça, c'est ce que font les gens normaux. Ce n'est pas mon monde! Ça va? Tu t'es changé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Tu veux qu'on en parle? Oui, mais pas maintenant. Là, tout de suite. J'ai juste envie de partir. Je te dépose chez Lydia. C'est gentil, mais... je veux rentrer chez moi. Je vois que tu as pris ta décision. Oui, c'est vrai. Et alors?
Tout le monde m'a dit qu'on me faisait confiance pour faire les bons choix. Mais ce dont j'avais besoin, c'était surtout d'avoir confiance en moi. Pour trouver les réponses quand elles se présenteront à moi. Et tu les as trouvées ? Il arrive parfois, si Dieu le veut, qu'on trouve les réponses chez l'autre. Chez quelqu'un qui est la première personne qu'on va voir quand on veut se confier. Chez quelqu'un qui est toujours intéressé par ce qu'on a à dire. Chez quelqu'un qui est ton meilleur ami. Chez quelqu'un qui t'aime. C'est ici qu'est ma place. Va la merveille. Oh, regarde. Elle vient juste de se réveiller. Tu nous fais un petit sourire. Elle est trop mignonne. Regarde. Ça se passe bien à l'auberge? Ouais, ouais. Tout va bien. Sauf qu'on est à court de tes fameux chèvres. On reçoit des commandes de New York, du Canada. C'est de la folie, je te jure. C'est le meilleur chèvre du monde. Mal pour des filles de la campagne, non? Pas mal du tout, même. Pas mal du tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hein, ma belle? Elle ressemble à Noah. Ouais. Et d'ailleurs, où il est? Bonjour! Allez, allez! Allez, c'est toi! Quelle histoire! Pas trop fatiguée?